petit œuf vieux. Quand je dois dessiner en direct, je commence toujours par l'oreille. Et donc une oreille de vieux, ça donne tout de suite quelque chose de très croustillant. Là, il est très vieux du coup, il n'a pas 30 ans. Hein, mais... trois petites taches de vieillesse. Non, jusque-là, il n'a jamais eu de dents qui sortaient, mais ça accentue toujours. Charentaise d'Angoulême, forcément. On peut imaginer qu'il sera toujours écolier, puisqu'il vieillit pas vraiment. Disons qu'il lui reste quand même un cheveu. Voilà. Alors mon héros d'enfance, c'est Lucky Luke. Et je pense que ça a été le héros préféré de plein de lecteurs, mais aussi de plein de dessinateurs, parce qu'il y a une espèce de simplicité. On a l'impression que on va pouvoir le dessiner. Et je sais que parmi les dessins, c'est souvent un peu comme un tour de magie. On fait apparaître une image sur une feuille. Et ceux qui savaient dessiner Jolly Jumper, dans la classe, ils marquaient des points, quoi. Alors évidemment, moi, je suis de l'époque où Lucky Luke, il avait une cigarette. Déjà, il y avait des couleurs complètement incroyables dans Lucky Luke. Ça, c'était assez fascinant. Donc on avait aussi l'impression que ça avait quelque chose d'assez enfantin. Et la cerise sur le gâteau, quand on avait réussi à dessiner Lucky Luke, c'était de dessiner la fumée de sa cigarette, parce que c'était hyper graphique. On pouvait faire n'importe quoi. D'ailleurs, on peut même faire une tête de Titeuf, fumée de cigarette. Alors, le livre d'or de Titeuf, c'est une compilation de plein de dessins, de bandes dessinées, d'affiches, de choses qui ont été faites autour du personnage sur 30 ans. Surtout des choses que les gens ont peut-être vues, mais de manière plus éphémère, parce que ça a été fait pour des journaux, pour des expositions, de l'inédit, des Titeuf qui ont été, des essais avec Titeuf qui n'ont pas été publiés, des choses comme ça. Et tout ça avec une timeline au bas du livre qui raconte un peu... Ah, c'est déjà fini ? Ah merde ! Tout ça avec une timeline qui court au bas du livre et qui raconte toutes les étapes pendant ces 30 ans, les grands événements et les petites anecdotes du personnage. En première référence, c'est Lucky Luke, qui était ma bande dessinée obsessionnelle quand j'étais enfant. J'en ai recopié des pages et des pages et des pages. Donc ça m'a vraiment marqué au fer rouge. Deuxième référence, c'est Franquin, qui a créé Gaston Lagaffe, qui a repris Spirou et qui a créé le Marsupilami, qui graphiquement m'a fasciné. Troisième référence, elle est dans le cinéma, c'est Chaplin. Moi, j'adorais Charlot et j'aimais ce mélange de burlesque absolue qui me faisait exploser de rire. Je ne sais pas si on explose encore de rire en regardant Charlot aujourd'hui, mais moi, ça me faisait beaucoup rire et en même temps, ça me faisait pleurer. Et le fait d'arriver à mélanger les deux émotions dans une histoire, je trouvais ça fascinant. Et je me disais, si on arrive à faire ça, on est vraiment on est le roi du monde. Ma quatrième référence enfantine, c'est ma grand-mère. C'était un jukebox à histoire. Et je me rappelle que quand j'allais dormir chez elle, elle me disait, OK, tu veux quoi? Et je disais, j'aimerais une histoire avec Donald, un avion, un volcan qui explose, un tyrannosaure, il fait nuit et il y a aussi des dauphins. Elle prenait 10 secondes, elle démarrait, elle racontait une histoire. Et je trouvais ça, pour moi, c'était un tour de magie absolu. Et je trouve que c'est à ce côté-là. Raconter une histoire, c'est faire un tour de magie.